opération la police a mené en dedans Belair, li prend une autre forme. Bandi yo commencé gen gros problème parce que eh bien machine ou du moins blindé qui yo te kon a utilisé dans un premier temps yo, premier blindé yo te voye yo, c'est une série de blindé madame mademoiselle et messieurs, n'importe qui vent virer, n'importe qui vent voye yo aller, n'importe qui dife, eh bien te gen tamboulé yo, eh bien blindé se ap gade là. Ça sont l'autre blindé. Son c'est blindé dernière génération qui gagne, blindé qui capable travailler, blindé capable courir, blindé capable permettre que eh bien gagner soldat yo capable eh bien faire un seul pour entrer là-dedans pour goumer contre gang yo. Eh bien on a parlé là, c'est même type de blindé ça yo, la police yo même y a utilisé pour capable eh bien contrer gang yo qui a bail problème dans zone Solino avec Belé. Eh bien qui t'aime dire nan moment n'a parlé là pendant guerre lui-même li commencé pendant gros opération ça li a fait depuis mardi qui s'est passé a demain mardi a fait environ 8 jours depuis la police nationale d'Haïti l'a goumé l'a couru derrière nèg ça yo ka bay problème en dedans la république et bien qui t'aime dire gagné plusieurs dizaines bandits, plusieurs dizaines gangs qui déjà fait voile pour payer son chapeau pendant la police lui-même l'a mené opération donc paquet nèg nan mon a parlé là qui déjà commencé virer d'eau, qui commencé bay vague, parce qu'ils ont senti, eh bien, bataille là, n'est pas bon pour vous. Eh bien, après, bandit, t'es fin entré en dedans quartier Solino, pour qu'ils soient capables, eh bien, touiller, dépisser moun qui est dans Solino, moun yon obligé, mettez kode yon, allemande ensemble avec l'État pour capable porter au secours. Yo pas besoin en rien. Même lorsque yo pas d'abay au manger, y a goumé pour yo jeune ti moso manger ya. Même lorsque yo pas d'abay au de l'eau potable, et bien aussi yo fouye tout, y a fait puits, y a jeune ti de l'eau pour yo boire, ti de l'eau pour yo manger, ti de l'eau pour que yo capable faire manger, ti de l'eau pour que yo capable baigner madame petite, mais yo pas besoin gagner bay tête problème pour en rien. Celle ça population solinois, yo même yo te mandé, yo fait comprendre si l'État li même ba ti moso secours. Ti moso et circulation pour yo parce que yo même yo vle si qu'il est libre et libre celle ça yo mandé l'état mouché l'état yo pas besoin en rien en même encore et bien là l'état terre si tendé madame mademoiselle et monsieur était obligé mettre code yo yo montré ensemble avec l'état yo montré avec population et bien fois ça yo récigé matériel y a sorti pour yo capable bail sécurité avec toute population en général et bien qui t'aime dire mardi qui saute passé effectivement mardi 7 août qui s'est passé là, eh bien là l'armée d'Haïti, ti monsieur Udmoyo, ti monsieur Swatio, yo ti monsieur Utagyo, yo tout mette corde yo accompagner ti monsieur Kenyao pour qu'il capable et bien al traquer gang qui en bas ça. Et bien puisque population yo ouais c'est on travaille la police a mené qui en faveur surtout moun qui trouvé dans zone Solino yo obligé mettre corde yo bandi voyer di fait sur un chat et c'est même moun dans Solino qui pral créer moyen qui pral accompagner et police là parce que c'est ça chef police nationale d'Haïti a te dit c'est MPP mariage population police c'est ça qui pral permettre que et bien capable joindre un bon résultat et bien pour qu'elle capable courir des gangs qui a pas problème en dedans la république et bien madame mademoiselle dit monsieur pendant opération ça et bien gen en pile moun nan Solino qui montrait yo solidaire pendant ce temps ou a gardé policier li même cap courir pour entrer dans char c'est comme ça en pile moun en dans Solino cap montrer mais qui côté qui gen gang y a montré la police mais qui bon pour nous entrer pendant y a fait opération un paquet nèg gang yo là et bien la police lui-même li décidé et bien débarquer ensemble avec Bakolodé pour capable et bien ouais capable déraciner bandi sa yo qui a bay problème en dedans la république pendant ce temps l'opération ça li a lancé en pile balan a tombé zami internaute qui bon dans zone nason dans zone la lui dans zone crissoa et gen en pile moun tout opération yo konnen c'est pour opération cap duré une semaine c'est pour opération cap duré 2 semaines c'est pour opération cap duré 3 semaines son opération qui la jouk li jou jusqu'à ce que yo même yo déraciné toute gang qui en dans ça jusqu'à ce que yo joine ni barbecue yo joine ni kempes yo joine ni tisonson tout nèg sa yo qui représentait gros chef gang en dedans belè et bien qui t'aime dire pendant la police
Police a mené opération ça, madame, mademoiselle, dit monsieur. Zone Solinoa, lui-même, il y a quelques graines tout, il y a marché, cherché tout. Tant qu'on est dans la zone Nazon tout, eh bien, au monde, quel était la journée, quel était le temps, gon l'est pour de yo, gon l'est pour pas de yo. Et ça, oui? Eh bien, en même temps, tout, dans la zone Christoua tout, c'est même gens tout. La police, lui-même, l'a opéré en dedans, zone Belin. Eh bien, quelques tic-tac bois, on tout, qui a fait dans la zone Nazon avec Christoua. Eh bien, je vais regarder, hein, madame, monsieur, eh bien, la police, tu mettez quoi au de yo. Hier soir, aux environs de 2 heures du matin, la police prend pendant opération li a fait en Dembélé, yo pral croiser ensemble avec 3 toro nan bloc Nazon en bas mon GOCA côté que yo pral frapper, joine tout pral frapper tout ça yo, yo pas besoin connait est-ce que yo gen pièce avec est-ce que yo pas gen pièce, non laisse ça yo genou tout moun connait que laisse ça c'est pour la police ak louga ou ke lié avec ambulance dans le cas où si toutefois ta gen yon urgence et ben yo croise avec 3 toro yo et ben la police fait tête yo et ben non on a parlé là yo pas existé encore si on moun si on moun connaît ou gen 3 jeunes garçons qui la caillou ou pa wèl ou t'attendez zanmi internautan c'est nan mon GOC ke yo me yo touye 3 jeunes garçons konnen grain pour là li la donne parce que c'est là la police qui même pendant la mené opération en de Belin li profiter à mené opération plusieurs côté tout parce que en pile là dedans c'est antenne qui au même yo connié côté que y a porté balle by bandi madame mademoiselle dit monsieur pendant opération ça a fait temps et Gary Koni lui-même l'a travail chef CSPN non lui-même qui c'est Gary Koni l'a travail gain police nationale d'Haïti à chef le nom Miramou l'a travail et bien conseil présidentiel là lui-même l'y trouvait en grande difficulté oui et conseil là l'a pas travail non il y a un gros problème oui je regarde là joue nèg yo bien portant là yo gain pile problème yo pas travail non problème qui existe là madame mademoiselle dit monsieur Jean, wap gade monsieur bien frais sous écran, monsieur destin décidé pour yote travail, mais yon gen un gros obstacle nan on a parlé là qui fait ou même yon pa ka travail. Eh bien, citoyen sop gade sous écran, qui se Raoul Pierre-Louis, nek BNCA, eh bien, te fait comprendre, gen 100 millions de coûts, 3 to sa ou même yote mandé pour que ou même, pour que directeur capable rete nan, pour que président capable rete nan poste lan. Si toutefois yon pa bay li, eh bien, li même li déjà révoqué. Eh bien, parole sa, fait gros tollé en dedans la République. Eh bien, décision, conseil a te disposé pran, ou te disposé pran, décision contre Louis Gérald Gilles, contre Emmanuel Vertilaire, contre Toyo et le Smith Augustin, et bien, toi, Nexayo, conseil a été disposé, prenons décision contre eux-mêmes, parce que c'est une mauvaise image pour CPT. Et c'est ça, et puisque il a été décidé de prendre décision, et bien, nous, on a parlé à toi, monsieur Sayo, il a bloqué toute décision. Tendez, oui, il a bloqué toute décision, conseil présidentiel à table, prendre contre eux-mêmes. Le pourquoi? Parce que pas gagné voix majoritaire, tu as supposé gagner 5 personnes qui pour voter, qui pour en faveur ou du moins Scott, non moment n'a parlé madame monsieur puisque c'est 2 personnes, puisque gagner 2 personnes qui pas capable voter, yo pas capable prendre décision, yo là seulement pour observer dans 7 personnes qui gagnent déjà gagné 3 là-dedans yo. Qui nan zafè corruption ki ou t'a parlé ki nan question de 100 millions de goud rete 4 moun nan 4 moun nan genyen président conseil la ki se Edgar Leblanc fils il t'a supposé mettre de côté et l'autre 3 moun yo pa ni 4 ni 5 ça veut dire que yo pa capable voter quel que soit n'importe décision yo t'a décidé prend contre 3 citoyens sa yo situation li vinn paraît onti jan compliqué et bien ou pas capable prendre aucune décision contre eux-mêmes c'est l'une des raisons qui fait nan moment n'a parlé là zami internaute conseil présidentiel là li pas capable fonctionner li pas capable travailler parce que premier you nan point ke ou chita sou li c'est sous question décision yo de prendre contre 3 monsieur sa yo estimé selon déclaration Raoul Pierre lui qui au même yo demandé 100 millions de goud pour qu'il capable rester dans poste que lui-même li a en dedans BNC comme président. Et bien madame monsieur information qui à peine rive jeune nous là pendant opération li a fait en dedans Belin et bien gen plusieurs grain nèg là qui t'arrivé faire voile pour payer sans chapeau. En pile l'autre tout c'est l'en mer a prend pour là
parce que yo débarqué en Chango, hein, la police débarqué en Chango en dedans et le fait comprendre jodi lundi là qui c'est deuxième jour en dedans mois de septembre là yo déterminé on ne peut plus pour que même yo capable montrer ensemble avec bandi yo force l'audio avec force qui illégal là qui est qui capable remporter victoire parce que victoire yo même yo cementé pour protéger et servir bien avec vie population et eh bien gang yo même yo pas capable gagner la voix au chapitre et la police yo déterminé dans moment on a parlé là pour que même yo capable bailler population victoire qui au de balia qui par l'autre c'est ouais pour que capable si qu'il est libre et libre pour capable jouer un petit morceau sécurité pour capable aller quel que soit n'importe côté que vous voulez en dedans la république. Madame, mademoiselle et messieurs, nous content pour nous te présenter aux vidéos si là restez connecté à tout et bien apporter pour tout dernier élément information surtout dans ça qui gagne ah ouais avec question guerre ça avec opération ça qui gagne en dedans quartier Belair côté que la police lui même il fait comprendre la marche sous tout bandi jusqu'à ce que population eux même yo capable entrer sortir en dedans Belair en dedans Solino sans aucun problème pour qu'ils avec gang là il pas exister encore du tout en dedans pays d'Haïti. Nous content n'a croiser dans l'autre vidéo. Ciao et à bientôt. Conseil présidentiel là pral capable avancer sur un ensemble de dossiers importants, ça va résoudre problème corruption ou bien scandale corruption ça qui impliquait trois petits métalines dans l'élection là. Représentant là, il y a indexé dans le dossier là. Nous certains aidés dans l'élection, j'en comprends parce que nous avons considéré qu'il y a comment tu les compromis dans l'élection là. Pas de doute sur ça, donc pas que même là, c'est pas à COVID 21 décembre. Oui, mais vous pas bloc, etc. Mais vous pas qu'être entité, vous pas qu'être parti qui n'a pas COVID 21 décembre, qui va aller faire avec. Ce qui est basé, vous pouvez dire, si au secteur vous avez deux mondes, vous avez trois mondes, au conseil là, à décider sur qui est ça pour représenter le secteur définitivement dans le KIPA, et puis pour le fait d'être. Pour un représentant, partisan de société là. Automatiquement, vous avez son complot. Mettez carité à couture. Mais pour monter carité à couture. Et les légitimer. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que même si vous n'avez pas mis dans à l'écart, même si vous n'avez pas mis à l'écart, mais le fait que dossier beaucoup clair, lumière beaucoup faite sous les vignes mettent dans une situation difficile pour ne pas avancer. Et du coup, on paquet de bagages commence à hypothéquer en dedans vous avez présidentiel. Donc c'est une question de présidence tournante. Au passage, hein? Oui, parce que 7 octobre, vous avez vu là, mandat est dans le blanc, tu as supposé dire. Smith Augustin, tu as supposé prendre fonction. Smith Augustin, tu as supposé, ça m'arrête là. Mais maintenant, au nom de la moralité et de l'éthique, est-ce que vous pensez Smith Augustin est capable de venir le président pendant enquête sur question ça, pourquoi aboutit? Même Janto, est-ce que vous pensez le cas désister? Il y a des seuls. Il y a des seuls. On l'a conseillé le président pendant les mêmes. La République, pour qu'on aime dire ça déjà, s'il se relève, s'il va relever. Et c'est ça qui constitue le dilemme. Et le dilemme, ça, il y a des seuls. Les métiers, c'est une situation difficile. Pour le capable faire ça, il faut faire. Donc, avancer ce processus électoral avec, bien sûr, la mise en place du conseil électoral provisoire. Donc, de ce fait, vous partez là, vous n'êtes pas. Alors, ça ne va pas oublier que monsieur d'autorité, il y a de temps très limité devant lui pour que vous fassiez ça, vous faites. Parce que c'est moins de 2 ans pour que vous pacifiez vieillir, faire élection et remettre le pouvoir là à un gouvernement démocratiquement élu. Donc, c'est un gros challenge qui est campé là. Et, je me rappelle, le premier ministre a fait avancer dans les médias internationaux, côté qu'il dit que il est fort impossible que l'échéance 7 février 2026 a été respectée. Malgré la fait effort pour ça. Malgré la fait effort. Maintenant, ajoutez à crise, je veux dire là, combien de temps la besoin encore? Eh bien, je vais le faire l'autre. C'est dommage. La position n'a plus fini. Malgré le PM Gargo, il dit. 7 février 2026, minuit, il nous a fait la Et dit l'autre transition, c'est dit on l'autre conseil électoral. Oui. C'est difficile pour eux. Ouais, on l'a fait. Donc, temps, c'est passé. Chaque groupe, revenu avec toutes les pailles. Ça veut dire, sous le parfait, c'est pas une autre qui a été contrôlée avant. Donc, la difficile pour continuer à voir.
Parce que c'est pas sans raison qui fait qu'il ne va jamais gagner un conseil électoral. Non, non, non. On dit ça tout le temps là. Mm-hmm. C'est parce que chaque groupe qui venait, il dit, c'est bon pour mettre ça. Parce que l'élimité, il pensait que vous mettez un, les rélevants sont vers lui. Donc il va le contrôler, il va le arriver, il va le dire, mais ça vous le fait. Donc dans le cas ça, il fait que pas jamais gagner un conseil électoral permanent. Et toute l'autre structure base qui vient dans la constitution, qui dit, mais comment tout ça fait, il a aussi de mettre le campé. Information fait quoi que sur 9 secteurs qui doivent gagner un représentant en dedans conseil électoral provisoire là, gagner 3 secteurs sur 9 là, qui ont même gagné un nom pour le représenter et jusqu'à présent, pas gagné trop grande contestation pour ne pas dire pas de contestation du tout. Premier secteur là, c'est l'Église catholique, guerrier des seuls. Je dis dès le départ, même je t'entends mieux, c'est sous un seul nom. Deuxième secteur, c'est la presse et Corporation Panouan. Côté Jacques Desrosiers, t'as dû représenter un nouveau KEPA. Même le monsieur, dame, patron média, ou t'es sous son note pour dire, pas t'impliquer dans le processus là, mais il n'y a pas rejeté le dos, il n'y a pas dit, il n'y a pas rendu le dos, il n'y a pas contesté le dos, c'est une gaz de le conseil. Oui, il va contester le dos. Même si tout vient de l'autre organisation qui t'a peut-être frappé par en bas, mais publiquement, et ampleur que l'autre secteur au bas question contestation des divisions, nous pas fait constat ça au niveau de la presse. Et puis troisième secteur, c'est l'université. Donc on était bon malentendu, dans la correspondance qui t'a rejoint deux entités qui doivent coordonner des bien choix aux représentants de l'université. UH et joint une correspondance, Corpua. Qui c'est conférence, recteur, dirigeant, université publique, privée, en APAT, jeune correspondance. Or, les nal fouillé zone à Kalalo, UH en dedans, Corbuya. Donc ça a quand même déposé problème, mais ça n'a pas empêché que UH te fait choix pâle et Corbuya te fait choix pâle. Mais, à la fin de la journée, avec un peu l'élégance, Corbuya qui reconnaît que UH est un moment. Qui est entaché d'agadir crédibilité. CBT. Exactement. Du deux côtés, il y a cette question de division qui en dans le secteur, côté yon a gouma à l'autre pour dire c'est yon même qui pour choisir ou bien c'est tel monde qui pour aller, tel monde pas doit aller. Mais de l'autre côté, tout, il y a le conseil présidentiel, je dis, tout qui est une situation difficile par rapport avec dossier 100 millions de goudza jusqu'à présent, lumière pour qu'on fait sous lit. Donc par l'avant, de base à eux, même si on m'a dit pratiquement un résident mal dit là, résoudre qui est sur division qui est dans le secteur, pour lui entendre autour d'un seul nom. Et puis deuxièmement, pour le CPT, même lui entendre, dire ok, mais ça va aller, mais qui décision qui prend, et puis pour faire avancer, donc nous viendrons à partir pour le troisième mois, conseil électoral provisoire là, va jamais venir de temps. Et c'est ça, oui, Johnny, qui est problème. Non. On va dire que si qu'on division qui a gangréné le secteur, CPTA qui doit arriver en côté, comme il fait office d'autorité, nous dit bon, la proposition formule, vous choisissez. Or, le fait que crédibilité CPTA entachée à travers trois conseillers qui est impliqué, mais qui éclaboussé dans le scandale corruption, hein, ça vient créer justement un handicap qui permet que CPTA ne soit pas pas avancer. Et même si on a dit que le secteur aujourd'hui, on l'a. Vous avez entendu, vous voyez, on nom, au nom de qui crédibilité que CPT a capable de d'ailleurs. Donc ça veut dire que mon frère qui gagne là, et bon, bah, quand on est balle, ça, peut-être, ça a dérangé quelques mondes. Je me suis demandé, mais qui est dans la politique ici, je suis toujours abdou par quelqu'un de sacré. Je dis à quitter le ville, il a publié quand même, jusqu'à ce que secteur qui concerne à lui-même, il veut jouer une meilleure formule, vous voyez, non. Mais quand il y a un petit bon handicap là, c'est sans autre expliquer là. Et moi, je dis tout à l'heure à tout. C'est cette question de scandale de corruption qui, je veux dire, mettait ces médias dans une situation difficile. Même pour les réunir. Parce que, il y a une question mise à l'écart provisoire, conseiller qui a parlé. Conseiller dit sous qui base, en parlant de conseiller qui est impliqué, pour mettre à l'écart provisoirement, alors que mon enquête est en cours. Il dit, est-ce que là, vous mettez à l'écart provisoirement pour une décision importante, c'est peut-être pour la République,
si les nègres qui viennent, vous comprenez, entendre mieux, sous base que trois nègres n'ont pas là encore, parce que ça vient plus facile pour eux avancer. Donc ça vient quand même mettre ces pétiers dans une situation difficile. D'abord, pour fonctionnement du mieux, voir qu'on y a là, où tu as le pencher sur une décision aussi importante. Le choix monde qui pour aller représenter le secteur en un conseil électoral provisoire. Par contre, ça veut dire même là où tu as des formules, même là où tu as des mécanismes, mais CPT a gagné par toute l'attitude parce que nous est confortable avec. Oui, pas bien tout que trois secteurs qui sont épinglés, c'est des secteurs qui gagnent des divisions politiques, des partis politiques. Qui est même dans l'élection. Donc, pas gagner, on va quitter fait des dollars. Exactement. Guerrier, barrière en moto. On va quitter un guerrier. C'est important. Mais bon, en ville, il y a un certain moment, UEHT dirigé par UEA, donc vous faire oui très à vous-même. Et puis, vous permettre que le représentant que UEHT là, c'est dépassé, c'est Marie-Florence Mathieu. Exactement. Donc, ça vient de faire que, je vous dis à là, à moins que Donio t'a changé après le film parler à là, c'est que trois secteurs qui ont seul nom comme représentant en dedans, nouveau, KIP qui en gestation, c'est secteur d'ordre de là. C'est l'Église catholique, c'est la presse, c'est l'université.